All right. OK. All right. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Je suis absent. Non, t'es présent. Pas peur. Absent. T'es très présent. Comme nous avec les pieds. Je devrais t'ouvrir de quoi? Tu devrais t'approcher de ton micro. Pour vraiment travailler proche de ce microphone. Dans le genre comme ça? Ah oui, là, t'entends-tu bien? C'est trop fort pour tes oreilles, Denis? Non, c'est très bien. Tu peux aller sur Twitter, tu peux aller sur Twitch ou sur mon site denistalbot.com. Tu cliques sur l'onglet Twitch et tout est là. C'est magique. Oui, mais je veux dire, pour le, par exemple, Twitter... Twitter, c'est Radio Talbot. C'est Twitter, Facebook. Les gens vont te suivre. On va donner les coordonnées. Les coordonnées? Pas les coordonnées. Ah! Ah, je te jure. Bon, mentez-vous mes Twitch. J'espère que vous allez bien, les Twitchers. C'est le show 288. Benoît, on vérifie. Aujourd'hui, 8 septembre 2014. Ah, c'est moi qu'il faut qu'il vérifie ça. C'est toi le vérificateur officiel. Tu as été délégué dans les meetings. D'ailleurs, tu étais absent. Oui, c'est un petit peu ça. Oui, exactement. Nouveau venu parmi l'équipe de Radio Talbot ce soir. Son nom, c'est Denis Girard. Vous allez le connaître davantage au cours des prochaines minutes. Les gars, ça fait 15 minutes qu'ils m'attendaient dehors. Yeah, right. Yeah, right. Il y a déjà... compris le mot, tu sais. Oui, c'est Denis, oui, il a compris, il comprend vite, ça. Bon! Regarde, on va parler de ça aussi, ce bebel-là, à soir, là, ce que je t'avais montré. On ne dira pas c'est quoi tout de suite, là. Tu sais que ça, cette affaire-là. Ah, ben oui, ben oui. Fait que, voir si ça marche. J'ai essayé, c'est intéressant. Ouais. Quelques réticences à certains niveaux, on s'en reparlera dans tout. Par de ça, vous êtes à la maison, ça se branche lentement, mais sûrement. Je suis content que vous soyez là encore une fois, merci. Kevin Parent, salut. Jean Chantal, hey, salut, ça fait un petit bout. Frédéric, comment vas-tu? Frédéric. Qui... Ah, tu prends les dons maintenant sur Radio Talbot. Oui, il y a eu quelques dons qui m'ont été donnés, d'ailleurs, merci. Hop. Ça, ça fait ça, par exemple. Pourquoi? Un peu, là, je cherche le line-up. Donc, on va mettre ça en fenêtre, petite fenêtre ici, comme ça. Et whiz. On recommence tout ça, ça a planté ici. Application Twitch? T'es 2,88. Hein? Existe-tu une application Twitch sur iPad, c'est ça? Oui. Oui, il y en a une. Est-ce que je ne l'ai pas? On va aller chercher. Bon. Pourquoi ça arrête? Benoît, ça arrête. Je vais repartir mon système d'enregistrement. Ce sera pas long, mesdames, messieurs, il reste 6 minutes au plateau. On a le temps de faire des gaffes en masse. Faut pas que je bouge ma souris, sinon ça fait tout planter l'autre bord. Bon. C'est l'antichambre, mesdames, messieurs, c'est pas ça Radio Talbot, là. Là, on s'installe. Ouais. Là, t'es en train de faire les tests, comme d'habitude. Exact. Donc, si je fais ça comme ça et que je bouge ici comme ça, ça devrait être pas pire. Faut pas que j'aille dans l'autre fenêtre. Je vais enfermer mon... Bon, tu vas t'occuper de Twitter, mon Denis, parce que moi, si je le fais fonctionner, ça plante. Oui, ça certain. D'accord. Denis Girard est avec nous, mesdames et messieurs, nouveau venu à l'émission Radio Talbot. On est en train de se greffer une équipe pas mal solide qui va venir faire un tour de temps en temps parce qu'on est tous ou presque des pères de famille. On a des vies sous le sable, comme oui. On dit. Des fois, parfois, c'est outre difficile. Le 60 heures de travail. Oui, c'est ça. Et donc, parfois, c'est difficile de réunir la gang régulière. Donc, on s'est dit, pourquoi pas meubler ces temps avec des gens qui ont la même passion que nous, des passionnés, des fous, des malades, qui aiment le jeu vidéo, qui y travaillent et qui ont de la misère avec Twitch.
Ça va-tu, Denis? Je l'ai installé, là. Ah! C'est parce que là, j'ai installé Twitch. C'est bon. Faut que je me connecte sur Radio Talbot, mais ce sera pas long. Là. Tu m'as dit que tu es sur Twitter aussi. Oui, sur Twitter. Radio Talbot sur Twitter, tout simplement. Oui, c'est ça. Exact. On va faire ça, là. T'étais hâte en tabarnouche. Hey, on l'a l'affaire. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, mesdames, messieurs, c'est Radio Talbot qui va commencer dans 4 minutes au programme ce soir. Bien sûr, il y aura la ligne ouverte. On va prendre quelques appels. Ah non. Ah, veut savoir. Oui, on veut savoir. On veut savoir ce que Kevin Parent pense. Non, non, c'est une joke. Kevin qui nous appelle, c'est un régulier. Non, Destiny, on va parler de ça. Sais-tu, y a-t-il beaucoup trop de hype autour de ce jeu-là? C'est ce qu'on veut savoir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? iPhone, qui s'en vient, le 6, il y a ça un message de notre ami Alex Cornelier qui va faire justement une diffusion toute la journée. C'est son événement annuel, c'est son pèlerinage. Oui, ben oui, ben oui. Donc, il y a un nouveau site qui s'appelle La Pomme, LAPOM.ME. Si ça vous tente, c'est un jeu de mots, t'as pas une dessus. Oh! Si ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus ou de jeter une oreille, Alex et son équipe nous décriront, ces annonces et les différents trucs. Il y a beaucoup de spéculations autour de ce lancement. On va en reparler d'ailleurs tantôt avec les boys. Moi, je l'aurai. Tu l'auras? Je l'aurai. Mm-hmm. Sur le téléphone. On en parlera tantôt. J'ai hâte de voir si il va y avoir une télé. Y aura-t-il une montre? La montre, non. Mm. Non. Non, non, non. Parce que un des trucs pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, là, ouais, c'est de regarder qu'est-ce qui passe au FCC. qui est l'équivalent du CRTC ici, parce qu'il faut qu'il soit approuvé pour certaines normes de diffusion quand c'est sans fil. Est-ce qu'il y a des brevets qui ont été déposés? C'est probablement pas encore passé au FCC. On va attendre, on va voir. Il y a toujours des surprises. Oui, c'est sûr. Toujours des surprises. 3 minutes avant le début de ce Radio Talbot, mesdames, messieurs. Ils peuvent le montrer en disant que ça va être livré, je ne sais pas, dans 6 mois. T'sais. Ils peuvent nous agacer, ils sont bons là-dedans. Oui. Bon. Ça va-tu, Denis? Oui, je suis en train de me loguer sur Twitch avec mon account. En passant, je serai dans la presse la semaine prochaine. Je devais l'y être samedi dernier, mais malheureusement, on m'a appelé mardi. J'étais pas là. C'est à quel sujet, Benoît? En fait, c'est l'opinion des geeks. Donc, je vais donner mon opinion sur l'actualité techno. Ah, qui t'a contacté? La plume de... Sous la plume de... De toi-même? Oui. Ah, ben bravo! Intéressant. Ah, ben c'est cool. Je pensais que tu étais interviewé. C'est pour ça que je... Non. Okay. Intéressant. Amen. Hey, t'es... Intéressant, la technologie. C'est bon, ça, Dan. Lâche pas. Il y a bien des Denis puis bien des Benoît dans le show, là. Oui, hein, ça va commencer à être mêlant. Hein? Exactement. Alors, c'est ça. Comment on pourrait l'appeler? Hey, chose! Non, ça, c'est déjà pris par Yann. Yann travaille ce soir, malheureusement. Oui. Oui. Yann m'a surpris. Je suis allé faire un tour chez lui alors qu'il était absent. Oh! Et j'ai visité. Il faisait des rénovations chez lui et ma foi, c'est bien fait. Ah oui? C'est lui qui les fait? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Ça doit être fait cheap. Non. Non. Non, c'est très joli. Bravo, Yann. C'est tout ce que je dirais. Ça, sans la présence de ton avocat, c'est exact. Ça? Non, sérieux. Bravo. Je suis épaté. C'est vrai que sa femme a beaucoup de goût, là aussi. Ça oui, reste. C'est vrai. Sauf en matière de chat. Oh! Ça, c'est un chien, là! Non, je m'ennuie, Diane, aussi. C'est vrai qu'il soit de retour. Frank travaille comme un fou. Il y a un nouveau projet qui s'en vient bientôt. Donc, il va être appelé à être absent pendant un petit bout de temps à Monsieur Net et aussi à la Radio Talbot. Ouais. Va être obligé de... Là, bien, on a un dilemme encore. J'ai pas ton thème. Pas de thème encore. J'en ai un, gars. Je peux t'en faire écouter un, là, OK? Mais t'aimeras pas ça, je te le dis tout de suite, parce que t'es grognon. Ça. Non, c'est plus une petite toune pour faire patienter le monde, ça. On dirait qu'il s'est couché à la tête sur un clavier puis il se tourne la tête une fois de temps en temps. C'est mon fils qui l'a fait. Attention. Non. Ah, avoue que c'est cool. Oh, ouais, bonjour le bad trip. Y a-tu du métal là-dessus, quelque chose? Come on! Les cymbales sont en métal. Oh boy! T'aimes pas c'est ça, vrai hein? Que c'est chill. Bon. Non, j'aime ça, moi. Moi aussi, j'aime ça au bout. C'est super chill, mais le gabane, il faut que ça dépeigne un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est le thème d'entrée, c'est plus mon genre. Comme celui-là, là. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On part de ça, les gars? Oui. Ouais, vas-y. On part ça. On attend après, toi. Ben, moi aussi. Ça,
Salut tout le monde, c'est Radio Talbot. Bienvenue à cette autre page de ma vie, mesdames, messieurs. Hein? On est là tout le monde. Salut. Regardez vos caméras respectives devant vous et dites un bye-bye. J'espère que vous allez bien. Toute l'équipe est presque réunie. Un nouveau parmi nous, c'est Denis Girard, qui est un bonhomme, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo. On va en savoir davantage sur son passé et peut-être sur son devenir également. Ah, Talbot veut savoir. Également, notre ami Ben est là. Salut, Ben. Yo! Content de te retrouver. Yes, sir. Première chronique dans la presse, mon Ben, ou... Ben, en fait, oui, je vais faire un petit mot, le mot des geeks, donc ça en fait partie maintenant. Ah, ben, félicitations. Merci, cher. Merci. Bravo, bravo, bravo. Et vous, à la maison, comment ça va? C'est parti! Émission 288, 8 septembre 2014. On est tous là, votre grand plaisir. Ouais, ce soir, ce que je veux savoir, vous autres, à la maison qui nous écoutez, ou même en reprise, vous pouvez nous écrire sur Gmail, à radiotalbot@gmail.com. Facebook, on est là. On est également là sur nos Facebook respectifs. C'est quoi ton Facebook, si on veut te joindre, Denis? Mon Facebook? Ouais. Mon Twitter. Tu donnes ton Facebook ou pas? Ben, donne ton Twitter. Donne ce que tu veux, mais donne de quoi? Parce que nous autres, on donne. On donne tout le temps. OK. Sur Twitter, c'est Stigmat. Donc, c'est à commercial S-T-I-G-M-A-T. Facile comme ça. S-T-I-G-M-A-T. Ben de Geek? Ouais, tout à fait. Sinon, ben, il y a ma page professionnelle sur Facebook, Benoît Gagnon, journaliste. Ouais, moi, c'est Radio Talbot, tout simplement, venu à jaser avec nous autres. Le lancement de Destiny arrive à grands pas. Les gens veulent qu'on parle de hockey, NHL 15. As-tu joué, Ben, NHL? Pas encore, je me garde. J'ai même pas joué aux démos parce que je veux absolument prendre tout le jeu qu'on voulait. Puis toi, Denis, as-tu joué un petit peu? Pas vraiment. J'ai pas joué à NHL, ça fait peut-être 2-3 ans. Là. Je vais t'avouer, mais je suis un petit peu tanné de NHL. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette itération aussi, j'ai joué un petit peu, j'ai pas fait ma critique encore, je vais la faire avec Lynn Bou. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont réussi à mettre de la physique dans non seulement dans chacun des joueurs. Il y a 12 joueurs sur la patinoire. Là, et en fait, il y a des remplacements, tout ça. Il y a 12 joueurs qui sont là. Et chacun de ces personnages a sa physique qui lui est propre. La rondelle a de la physique. La rondelle peut bondir, rouler sur le côté. Les jerseys ont leur propre... il y a une affaire qui s'appelle le Dynamic Cloth. Qui va bouger de façon plus naturelle, va arrêter les rondelles, ça peut coincer les rondelles. Ils ont mis le paquet là-dessus. J'ai trouvé aussi la foule. Il y a 9000 personnes presque en tout temps dans les gradins qui semblent être animées de façon indépendante. Mais quand on regarde un petit peu, on découvre les trucs. Mais c'est super bien fait. Les gens qui nous aiment vont avoir des pancartes avec notre nom dessus. Ils vont scander, tu sais... Quand tu passes, ceux qui nous détestent vont nous chahuter. C'est bien fait. Et ça. Tu veux dire, genre, quand tu crées ton propre personnage, exact. Mettons que tu créerais, genre, Talbot, genre, ben là... Dans la foule, t'as le Talbot. Yeah! Ah ouais, c'est fort, c'est nice. Quand même. Ils ont reproduit les arénas de la NHL un peu partout, là, ils ont reproduit millimètre. C'est ça, ils ont très bien reproduit. Au Malmö. Donc, c'est un jeu... Au pixel près. Oui, exactement, c'est fou. Puis, le Dick Movement, les mouvements sont encore plus naturels, plus dynamiques. Donc, les fans de hockey, vous allez triper. On va en faire davantage la critique la semaine prochaine. J'ai pas assez joué pour vous dire hey, ajoute ça, c'est superbe. Il y a sûrement des bugs. Ouais, mais il y en a toujours. Y a-tu des exploits là? Parce que moi là, j'ai vu des petits bonhommes sur internet. Des petits bonhommes qui passent entre les pattes à un moment donné, il y avait comme un bug. Il y a-tu le tiny bug là aussi ou quoi? Je pense qu'il l'a eu parce que ce que j'ai vu passer en faisant mes recherches sur Internet, j'ai vu un géant passer, un gars de 9 pieds, puis un autre petit bonhomme tout petit. Mais est-ce que c'est des gens qui sont amusés avec le code pour le fun, des concepteurs, des fois vous mettez des easter eggs dans les jeux. Est-ce que c'est ça ou c'est un bug, je ne sais pas. Parce que vous avez vu l'affaire avec NFL, Madden NFL. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il y a un joueur de football? Il y a un joueur qui avait été fait à 1 pied 2 plutôt que 6 pieds 2. Fait que sur le terrain, il était vraiment petit, donc c'était un glitch. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, ça a fait le tour des intertubes. Les gens ont repris ça. Donc, hey, regarde la game, mon petit personnage, etc. Je l'ai vu dans le hockey. Je l'ai vu cet après-midi. Je pense que c'est plutôt... Peut-être que c'est le même bug. Ou c'est un easter egg aussi. C'est une niaiserie que les programmateurs s'amusent à faire. Des easter eggs, vous en mettez pas mal dans les jeux, vous autres aussi. Vous amusez. Ça dépend, mais il faut que tu aies le temps de faire ça aussi. Ouais, une grosse franchise comme celle-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait le temps de s'amuser et de faire des niaiseries. Mais de toute façon, ils sont bons pour avoir des jeux buggés. C'est plus un bug, probablement. Peut-être. En tout cas, on va vous en parler davantage au cours des prochaines semaines, des prochains jours. D'autre part, qu'est-ce qui s'en vient? Destiny. Moi, je veux savoir, la maison, pensez-vous qu'il y a trop de hype autour de ça? Pensez-vous à être déçu? Est-ce que vous avez joué aux démos?
Est-ce que vous avez eu la chance de goûter à Destiny? Ça peut être démo, c'est une bêta, mais... on s'entend, une bêta, la bêta qui donne un avant-goût, ouais, donc qui démonte le jeu dans ce sens-là, je veux le dire. Dans la bêta, est-ce que vous y avez joué? Une bêta, c'est toujours buggé, on le sait, il y a toujours des problèmes. Ou si on est très, très chanceux, c'est une bêta qui est superbe. Il y a eu jusqu'à 850 000 personnes branchées en même temps au jeu pendant la bêta. Est-ce qu'il y a eu des glitches majeurs dont tu as eu peur? Moi, écoute, quand je l'ai essayé, j'ai eu des problèmes de déconnexion. Ça, m'est arrivé, c'est normal. Moi, je suis sorti dans une bêta, on s'en attend. Ça doit m'être arrivé environ 6 ou 7 fois. Des problèmes de reconnexion aussi. Mm-hmm. Mais j'ai pas eu de bug majeur. Bon, une fois de temps en temps, des bugs de collision, mais pas majeur non plus. Donc, Toi, Denis, est-ce que tu as joué à la bêta? J'ai pas essayé, moi, de dire, parce que, écoute, mon PC est pas top-notch non plus, là, mais... Okay. Écoute, j'ai une question que je vais poser tantôt, là, quand on va parler plus en profondeur de Destiny, là, mais je veux vraiment savoir si c'est le moment pour moi de m'acheter une PS4. Je sais que nous autres, il y a beaucoup d'hype au travail, à la job, des gens qui sont pas nécessairement dans l'équipe de Monsieur Net qui me disent hey, « à quoi tu vas jouer, toi? On veut se former des clans tout de suite en partant. » Mais j'ai vécu ça aussi avec GTA pour s'y ramasser 3 à la fin. Mais écoute, je sais pas. Moi, comme j'ai dit, j'étais en vacances quand la bêta est sortie. J'étais pas au pays, donc j'ai pas eu la chance d'y jouer. J'ai reçu un code, puis malheureusement, c'était en revenant de vacances. J'ai dit « Ah, j'avais un code! » Ah, ben oui. Mais là, ça sort. C'est demain, si je me trompe pas. Ouais, demain, ça ouvre à 8 heures. À minuit, en fait, c'est publié. Là. Ah ouais? Ouais. Bon. Donc, il y a déjà des maniaques là, qui font la file un peu partout. Je pense qu'au Canada, c'est pas le cas, là, mais aux États-Unis. L'affaire étant, c'est que si tu as aimé, Diablo, mais en partie, Halo, tu vas aimer ce jeu-là. En plus, il y a des mécaniques empruntées à Diablo dans le sens où il y a du loot. C'est ça, il y a du stock, il y a beaucoup d'équipements. Puis tu as des mécaniques de MMO, mais en même temps, pas forcées dans le sens où. Souvent, t'as des événements qui arrivent, puis là, c'est sûr, il faut que tu sois en gang pour le faire, mais tu peux continuer à faire ta mission tout seul, puis t'iras pas, là, t'sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il y a plein de mécaniques qui sont intéressantes. Moi, je pense que c'est probablement le second jeu vraiment next-gen qu'on voit, là. C'est-à-dire qu'on a eu Watch Dogs, puis il y a lui. Donc, le vraiment, vraiment next-gen, là, où il y a des mécaniques nouvelles, novatrices, là, on est là-dedans. Moi, je parlais d'NHL tantôt, NHL 15 tire vraiment profit des nouvelles consoles. Ouais. J'ai remarqué tout de suite la fluidité des mouvements, tout ça. On sent de plus en plus de jeux tirent profit justement des nouvelles consoles. C'est normal, les gars. Tu le sais, Denis? Ben ouais. Quand une nouvelle console sort, t'as l'équipe de développement combien de temps avant habituellement? C'est pas longtemps avant. Non, hein? C'est quelque chose comme 6 mois là, avant. Là, le stock commence à arriver, puis là, t'as un peu. Là, quand ça arrive sur le plancher là, des développeurs, là, t'en as quelque chose comme 3-4 qui arrivent sur le plancher, puis là, c'est le lead programmeur qui en a une, puis des personnes bien clés. Tu sais, quand t'es développeur, moi, je fais des effets spéciaux dans les jeux vidéo, j'en fais encore, mais dans ce temps-là, le gars des effets spéciaux, le modeleur, le level artiste, il n'y a pas le dev kit, lui, encore, là. Tu sais, c'est pas longtemps avant de sortir ton jeu que t'as un dev kit qui sera mis sur ton bureau, mais, tu sais, je veux dire, c'est avant la sortie de la console... C'est pas longtemps avant, premièrement. Puis c'est des versions bêta aussi. Les consoles sont pas... Ben, le pire, je pense, c'est Microsoft. Les autres sont tellement tirés dans le pied. T'sais, quand j'étais chez Ubi, la console était sur le point d'être publiée. Puis, tu sais, ils faisaient encore des modifications dans la console parce que, tu sais, on va changer de modèle, telle façon de faire. Tu sais, le développeur, il est comme, il a moins de chance. Là. Moi, je me souviens quand j'avais eu les premiers kits de développement de la PS3. On est allé dans un studio et c'est dans une pièce fermée. Il y avait tellement de bruit là-dedans parce qu'il y avait des ventilateurs partout. La glace sèche sur des trucs pour essayer de faire refroidir les processeurs. Mais, donc, tu as ça probablement, quoi, 8 mois après? Ça dépend des teams aussi. Tu sais, écoute, c'était tout petit, là, ça va être rough un peu, mais c'est sûr, si t'es gros, comme par exemple comme Ubi, ben, tu vas en avoir plus que 3-4. Ça dépend de la taille du studio. Ben oui, c'est sûr, mais quand même, là, je veux dire, t'as ça vraiment à dernière minute, là, quand la console sort, là, tu sais... Il n'y a pas de jeux qui sont vraiment third gen. Là. Après, first gen. Ce n'est pas des jeux de dernière génération. Tu as des upgrades pareils, là, parce que c'est quand même mieux, tu sais, que
que qu'est-ce qu'on avait sur la génération ouais. précédente, tu sais, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas harnassé, là, ouais. c'est pas comme... C'est pas des jeux... Tu maîtrises pas, là, tu sais, la pleine puissance de la machine. T'en connais pas, ce qu'on sait. Vraiment pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des choses, par contre, où, tu sais, pour avoir parlé avec pas mal de développeurs chez Ubi, tu sais, ils me disaient, par exemple, nous, la Wii U, tu sais, développer là-dessus, c'est pas un cauchemar, mais c'est pas loin. La PS3, avant, c'était un cauchemar. Là, maintenant, la PS4, c'est beaucoup plus simple que c'était. Tu sais, quand on pense que c'est Kearney, je pense que c'est Mark Kearney qui a travaillé là-dessus pour designer la console. J'ai peut-être le mauvais nom, mais en tout cas, c'est un ingénieur logiciel, ce gars-là, à la base. Donc, il comprend le logiciel. Donc, il a dit, OK, ben, faut construire une console qui va être facile pour programmer. Ouais. Microsoft, ça est demeuré aussi facile que c'était, ou à peu près. Là, c'est sûr qu'il y a plus de fonctionnalités. Là. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend aussi du matériel avec lequel tu travailles. C'est comme passer de la PS3 à PS4, ben, ça s'est fait bien parce que tout d'un coup, ça devient plus facile de travailler. Ouais. Mais quand même, il y a la puissance, le hardware qui n'était pas au rendez-vous avec la PS3, qui l'est maintenant avec la PS4. En tout cas, il y en a plus. Oh, oui, oui. Sauf que le problème avec les maudits développeurs de jeux, c'est qu'ils sont gourmands. Dès qu'on leur en donne plus, ben ouais, c'est clair, la bouffe au complet. C'est clair, tu sais. T'sais, parce que eux, de toute façon, on travaille avec des machines qui sont généralement plus performantes que ce que monsieur, madame, tout le monde ont chez eux. Parce que des raisons, tu sais, maintenant, tu fais de la capture vidéo dans les effets spéciaux, j'imagine, tu vas avoir une machine pas pire, là, on s'entend. Ouais, j'avais une très bonne machine. Mais là, donc, Destiny, si on revient à ça, demain, vous prévoyez quoi? Des line-up de fous, des plantages de serveurs? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros jeu qui est sorti qui a vraiment cette envergure-là. Là. C'est quoi le dernier jeu qui est sorti? Titanfall. Titanfall, c'était fou raide, ça, là. Ça fait combien de temps, Titanfall? C'est à Noël. 4 mois. C'est ça. C'est ça. Noël? C'est à peu près Noël, me semble, hein? Titanfall. Bonne question, on va aller vérifier. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est dans le temps des fêtes. Ouais, il me semble. Mais écoute, c'est ça, mais Bungie sont spécialistes dans la propagande et dans la publicité. Faut penser à Rockstar. 11 mars. 11 mars? Hein? Il me semble que c'était dans le temps des fêtes qu'on avait joué à ça. 11 mars 2014. Non, c'est ça, c'est en mars, t'avais raison. Ça, on a fait trop. mais est-ce que bon, il y a eu beaucoup de hype parce que la communauté est encore là? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ben écoute, moi honnêtement, j'avais vu du hype pour Watch Dogs dans mes contacts. Ah, il y en avait, oui. Puis là, il y en a à peu près autant. Ouais. Fait que pas mal toutes les gens que je connais vont aller s'acheter ce jeu-là. La majorité de mes amis sont d'ailleurs sur PS4. Sauf du monde comme vous autres, là, vous les avez toutes, là, mais la majorité des gens qui ont juste une console se sont achetés une PS4. Ouais. Penses-tu que tu vas t'acheter une PS4 pour jouer à Destiny, Denis? Ben, j'ai vraiment le goût, je vais t'avouer. Écoute, premièrement, j'étais un gros fan de Bungie. J'ai joué à tous les Halo, genre du début à la fin, puis j'ai tous fini. Moi, écoute, je trippe sur cette recette-là, quand même, qui est quand même une recette, là. Oh, ouais. Puis quand tu me dis, écoute, je vais te mettre du MMO là-dedans, moi qui étais un grand joueur de WoW, puis tu sais, il te le faut. Il te le faut. Ben, je pense que oui. je pense que je vais prévoir un petit budget demain. Mais écoute, en fait, le budget, je l'avais, ça faisait longtemps. Mais tu sais, j'attendais juste comme d'avoir vraiment... La vraie raison. La vraie raison, ouais. Je me disais, écoute, ça va servir à quoi? Puis en plus, ça peut même pas servir à écouter mes films, parce que je pouvais même pas, là, genre, avec la nouvelle PS4, tu peux pas écouter, tu peux pas streamer tes films de la maison sur ton truc, parce que tu pouvais pas sur la PS4. Mais fait que je me suis dit, ben écoute, je vais rester avec ma PS3 jusqu'à temps qu'il va sortir un jeu qui va vraiment valoir la peine, puis je pense que c'est celle-là. Ouais. J'ai vraiment hâte, en fait, puis... Maintenant, je ne vais pas être dans le magasin, peut-être demain ou après-demain. Là. Ben honnêtement, tu sais, si tu me dis, t'aimes les composantes MMO... T'aimes ce que Bungie fait, tu vas être heureux avec ce titre-là, parce que tu vois, on en parlait avec Yann, puis Yann, lui, ce qui l'a rebuté, c'est justement l'aspect MMO, parce que tu sais, il s'est dit, je peux mettre des heures là-dedans, j'en finirai pas, tu sais, mais en même temps, c'est un attrait. Moi, pour moi, c'est un attrait. Tu sais, moi, je suis plus du genre à je vais avoir un jeu sur lequel je vais me concentrer, puis je vais avoir d'autres jeux qui vont être en rotation autour. Je vais essayer une fois de temps en temps, ou tu sais, je vais me changer un peu les idées, mais je suis plus de ce genre-là. Tu commences pas mal, là, je dévore Diablo, je le refais au complet, tu sais, puis là, je vais passer à Destiny, puis Destiny, je le sens que là, je vais passer une centaine d'heures facile. Vas-y, Denis. Ah, est-ce que je me demande, la progression, elle se fait sur combien d'heures à peu près? Pourrais-tu dire, tu sais, que je sais pas, en fait, tu vas jouer. Est-ce que tu vas jouer longtemps, genre, avant d'être rendu au bout de ton personnage? Ben, je sais pas si tu vas jouer tant que ça pour monter ton expérience. Moi, je voyais du monde qui avait monté relativement vite pendant bêta. Là. Moi, j'avais pas monté si vite que ça pour des raisons. T'sais, souvent, je jouais tout seul parce que t'sais, j'avais pas tous mes amis qui l'avaient. Ça va peut-être monter plus vite ben, que je joue en gang.
Mais moi, à mon avis, t'as à peu près 40 heures pour faire la progression. Puis là, après ça, j'imagine qu'il va y avoir des trucs spéciaux. Là, ça va être le loot plus qui va être... En fait, tous les trésors, ce que tu peux trouver comme armes, etc., qui va te différencier. Donc, le scénario, là, c'est quoi? On est des derniers humains sur la Terre, puis il faut se protéger contre des invasions, ouais. Une infestation de bébites. Je veux pas trop en donner, parce que... Grosso modo, là, c'est ça. On est ce qu'on appelle les gardiens qui défendent le restant de ce qui reste dans... Le restant de ce qui reste, oui, bravo. Les derniers, comme tu disais là, les derniers humains sur Terre, t'as quelques bastions qui résistent à l'envahisseur extraterrestre. Mm-hmm. Et puis, ben, c'est ça. Au fur et à mesure où on avance, on a de plus en plus de réponses sur qu'est-ce qui est arrivé, vers où ça s'en va. Puis ça, j'ai trouvé ça intelligent parce que c'est un peu un style d'écriture que je trouve proche de... Je suis proche de... comment dire? Voyons, je cherche le nom. Mass Effect. Okay. Dans le sens où, tu sais, plus tu avances, plus tu trouves des éléments. Je m'excuse, j'ai comme une coupure de son. Là, fait que je n'étais plus sûr si je parlais. Là. Non, t'es d'accord. Donc, c'est ça. Il y a eu comme un style d'écriture, je ne dirais pas épisodique parce que ce n'est pas le bon terme, mais tu sais, où on laisse l'information couler au compte-gouttes. OK. Fait que c'est intéressant pour ça. Il y a Marc Podvin qui dit sur Twitter à Radio-Talbot, je pense que Destiny the Game est très hypé. Certains NPC dans la tour n'ont aucune animation bizarre pour un RPG. D'autre part, qu'est-ce qu'on se dit à part ça? Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont hâte énormément, bien sûr. Mais c'est d'un point de vue de game design, moi je trouve ça impressionnant comme titre. Mm-hmm. Parce que, et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent, tu sais, la technique en arrière. Puis ça, moi j'aime beaucoup réfléchir sur, OK, comment ça a été fait. Puis le fait, par exemple, de dire, OK, ben, il y a sur une carte, il y a plein de monde qui font leur truc, puis là, tout d'un coup, ils peuvent se joindre ensemble. Ouais, ça, c'est le parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Là, ouais. Il faut être capable de faire ça de manière aléatoire, puis dire, OK, ben là, ces gens-là participent à l'événement. Comment c'est. D'un point de vue technique, là, c'est assez fort. Là. Mais, c'est-tu répétitif? C'est-tu comme ça revient-tu tout le temps, genre, ces événements-là? Y a-tu comme une série qui est comme trois événements différents, dans le fond, qui sont juste répétitifs? C'est sûr qu'il y a des éléments de répétition, un peu comme dans un MMO. Là. Fait que, en même temps, sur World of Warcraft, si t'as aimé ça, tu risques d'aimer ça. Là. Ouais, mais on va dire, c'est ça qui m'a tanné aussi. Faire la même chose. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vu des événements. Généralement, c'est des envahisseurs là, qui arrivent. Là. Puis, ils arrivent soit moi, j'en ai eu deux. Mm-hmm. Puis, j'étais vraiment impressionné parce que c'était comme, OK, ben, il y a une grosse bébite qui descend. Là, puis, c'est un combat là, plus grand que nature. Okay. Ensuite de ça, là, il y en a eu, c'était un autre événement où là, c'était plusieurs. Il y en avait vraiment une quantité industrielle. Fait que c'est ça, là. Essentiellement, c'est ça. Puis tu sais, la deuxième fois, moi, je suis arrivé comme sur le tard parce que j'étais comme perdu dans des grottes. Puis là, j'ai vu, OK, il y a un événement qui arrive, je veux-tu aller les aider? Mais là, j'étais, OK, let's go, j'essayais de sortir. Puis là, je voyais ça au loin, le combat. Là, j'étais, OK, je m'en vais. Donc, certains pensent qu'il y a beaucoup trop de hype. D'autres disent, non, j'ai hâte, j'attends ce jeu-là avec beaucoup d'impatience. Le E3, il joue pour beaucoup dans ce genre d'événement. Ouais, les premières impressions qui sont lancées sur l'Internet par les critiques et les gens qui l'ont essayé semblent très bonnes. Mais est-ce qu'on peut se fier juste à un niveau, juste à une démo? Je pense à beaucoup de jeux. Non, c'est sûr que se fier juste au bêta, ça serait mauvais. T'sais, en partant, il y a plein d'affaires qui étaient bloquées. C'est ça. Je me souviens, par exemple, Frank Durand, la critique qu'on a faite à Monsieur Net. Lui, il dit, ah, ben, tu sais, moi, je pognais plein d'équipements qui n'étaient pas pour mon niveau, puis j'étais bloqué. T'as dit, ben oui, mais t'as joué dans l'alpha, tu sais, c'est normal. Là, fait que... Ben, c'est ça. Les gens oublient ça souvent aussi. C'était un test qu'on fait. On stresse les serveurs. Après ça, on fait des calculs exponentiels pour savoir si ça va tenir la route. Ouais, pas tu prends ça pour du cash, c'est clair. Puis il ne faut pas oublier, c'est une formule MMO. Hein. Ouais. Fait qu'ils vont rajouter du contenu. Mm-hmm. Il va y avoir des éléments qui vont arriver, des événements spéciaux, un peu à la WoW. Du DLC en perspective. Ah, ça, c'est clair. Beaucoup de DLC. J'ai une autre question, moi. Je peux-tu? Ben oui, vas-y. Okay. Tu sais, le gear que tu pognes, là, finalement, là, c'est-tu... ça te donne-tu un avantage sur les autres joueurs? Puis est-ce que, si ça te donne un avantage, est-ce que tu te retrouves dans les mêmes games que ceux qui commencent? OK, bonne question. Moi, j'ai pas fait de PvP. Okay. Je peux pas te le dire. J'imagine que ça doit jouer. Mais ils doivent, tu sais, de toute façon, tu as du gear en fonction du niveau.
Ouais, pas mal. Fait qu'ils doivent jauger ça en fonction des niveaux. Genre, mettons, niveau 25-30, ils vont aller dans une plage. En tout cas, j'ai pas vu la mécanique, mais j'imagine que ça doit être comme ça que ça doit gérer. Mais habituellement, c'est, ça y va selon ton expérience. Puis selon ton par niveau, ça fait du sens. Mais ce que je demandais, c'est par rapport au gear. Tu sais, genre, si t'as grindé comme un fou, genre, pendant des heures et des heures et des heures. Ou t'as tout acheté s'il y a des trucs à acheter. Ou s'il y a du in-app purchase, puis t'as acheté l'affaire qui coûtait 30$, puis que là, tu te retrouves en face du gars, tu fais juste one-shotter, genre, puis tu vises un peu n'importe où sur lui, puis tu l'exploses. Tandis que lui, le pauvre, il est le même niveau que toi, mais tu sais, il a un gun de base. Ben, si c'est comme Halo, je penserais pas qu'on arrive à. Tu sais, qu'on donne autant d'avantages aux gens. Mais en même temps, tu as un système de gear, c'est quoi d'abord? C'est juste l'esthétique? Non, le système de gear va sûrement aller avec ton grade, je pense, moi. Si tu montes, si tu montes en grade, tu vas être capable d'aller chercher certaines affaires. C'est un peu comme Diablo WoW aussi. C'est beaucoup axé sur le PVE, même que c'est du PVP. Dans faire un raid, par exemple, des choses comme ça. C'est sûr que là, c'est un gros gear, c'est pratique. Il y a du PVP, il y en a, mais tu vois, dans War, ça fonctionne très bien aussi. Là, tu peux wiper, mais c'est plus difficile. Là, donc ici, est-ce qu'on a 3 clients potentiels? En tout cas, moi, oui. Moi, oui. Moi aussi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Allez faire un tour sur Twitter à Robert. Avez-vous précommandé? Toi, tu l'as précommandé? Non, j'ai pas. Je t'ai amené des statuettes. Non, ben, il y a plein de statuettes, là, mais la statuette, c'est le robot. Là, qui le petit robot, tôt, là. L'espèce de petit triangle qui fait penser. Moi, finalement, je l'avais pris, j'ai fait « Ah, finalement, je vais prendre l'édition normale. » En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé, tu sais, pendant le 3, là, ils font les spéciaux, on en fout. J'avais commandé pendant cette période-là l'édition standard. Ça me revenait comme à 44$, je pense. Ça, c'est intéressant. Fait que là, j'ai fait « OK », puis là, j'ai précommandé l'édition collectionneur quand je l'ai vue. Finalement, j'ai abandonné l'édition collectionneur. J'ai plus de place. Je peux plus mettre. C'est ça, à un moment donné. Ça fait bien du stock, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Donc, répondez-nous sur Radio Talbot, Radio Talbot sur Twitter. On veut savoir ça. Maintenant, la conférence de presse d'Apple. Ouais. Ah, les gens l'attendent, celle-là. L'iPhone 6. Y aura-t-il une annonce de, je sais pas moi, de phablette ou d'autres choses ou de montre ou de téléviseur? Je lisais un article dans le Wall Street Journal aujourd'hui. Tout le monde y va de ses prédictions. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ben? Vous d'abord? Moi, téléphone 5 pouces ou 5,2 pouces. Oui, c'est sûr. Le 6. Ça va être. 6 pouces. Cette taille-là, parce que. Le 5,2 pouces, là, c'est pas mal le sweet spot où t'es comme confortable pour l'utiliser. Ouais. C'est gros, mais c'est quand même pas genre le Galaxy Note. Là. Ouais. Galaxy Note, t'sais, moi pis toi, on n'a pas de problème. Là. Mais mets ça dans les mains d'Andréane, ça a l'air ridicule. C'est ça. C'est ça. Puis tu te mets ça dans la face, c'est comme une autre chose dans laquelle Apple ne voudra pas se lancer parce que c'est ça. C'est à peu près ça. C'est là, par rapport au iPhone 4. Ouais. Donc, ça va être un téléphone, selon vous, légèrement plus gros pour compétitionner peut-être les téléphones. Il faut que ce soit plus gros. Plus gros. 6 pour 6 pouces? Oh. Non, 6 pouces, c'est trop gros. Non. Mais la montre, y crois-tu, toi? Les croyez-vous? Pas tout de suite. Toi, Denis? Ah, je pense que non. Je pense que c'est pas tellement le genre d'Apple. C'est drôle de se lancer là-dedans. Sais-tu, regarde, il est arrivé. Quand tu regardes la compétition là, depuis. C'est quoi le salon qu'il y avait à Berlin? C'était le IFA, c'est ça? Il y a un paquet de compagnies qui ont sorti des montres vraiment, écoute, qui fonctionnent avec Android. Samsung, Coucou. Toute la gang. Là, je me suis dit, ils savent de quoi qu'on ne sait pas. Ils veulent damer le pion à Apple avant que ça arrive. Oui, mais Apple s'en fout de ça. La stratégie d'Apple, puis le pire, c'est que je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne voient pas ça. Apple a toujours pris des produits existants, les a remâchés et en a fait quelque chose qui, pour le public, semble fonctionner. La souris. La souris, ça existait. Apple a fait OK, comment on peut améliorer ça? Voici comment. Le lecteur MP3. Le lecteur MP3, tu sais, il en existait avant. Logitech en avait, des choses comme ça. Le Zoom aussi. Tout à fait. Apple l'a repris. On l'a remarché, puis on a fait quelque chose que le consommateur, ça marche. Le téléphone, même chose, on se souvient, le téléphone intelligent, l'annonce de. C'est probablement la meilleure annonce que Steve Jobs a fait de sa vie, dans sa vie. T'sais, il dit OK, ben, c'est le meilleur iPod, c'est le meilleur téléphone,
Puis c'est le meilleur appareil multimédia. Mm. Donc, tard, t'arrives avec un type. Ils ont réinventé trois choses. Mais là, une fois que tu as réinventé ça, qu'est-ce que tu veux réinventer de plus? Qu'est-ce que tu veux offrir? Ben là, tu sais, ils regardent ce que toute la compétition a fait avec les mondes. Puis c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas. Mm-hmm. C'est tout le temps ça qu'ils font. T'sais. C'est pour ça que les gens disent qu'ils copient. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, oui, peut-être qu'ils vont chercher des éléments, mais ils remarchent. Puis. À quelque part, l'iPhone, c'est quoi, 56% de leur business, je pense, c'est une affaire la même. C'est leur vache à lait en ce moment. Donc, le 56-54, je ne sais pas les chiffres, sautez-moi dessus si je me mais donc, un téléphone légèrement plus gros avec quoi comme gadget, vous pensez, vous autres? Là? Plus de caméras? On plus y va de... avec le système de monitoring de la santé, c'est clair. Oui, ça c'est un... Parce qu'il y a trop de signes que ça s'en va vers ça, soit les brevets, et l'autre chose, il y a des gens qui se sont fait engager, des ingénieurs qui travaillent là-dedans. Là, fait que... Donc, des trucs à la Fitbit, là, des bracelets, des trucs qui vont prendre... Qui vont probablement se compléter avec la montre. Ouais. La montre, encore là, tu sais... La montre, les souliers Nike, etc. Ouais, c'est ça, là, tu sais, ils ont déjà un écosystème qui est en branle, tu sais, il y a plusieurs trucs qui se branchent derrière ça. Moi, par exemple, j'utilise un moniteur cardiaque quand je fais mon jogging, tu sais. Mm-hmm. Puis, ben écoute, ça se connecte comme ça, là, il n'y a aucun problème. L'application, c'est clean, clean, clean. Mais la montre, ils vont peut-être la montrer, mais c'est clair qu'on ne l'aura pas avant plusieurs mois. Mais c'est fou de voir les spéculations, par exemple, de voir comment ça crée une espèce de folie. Il y a des gens qui sont déjà stationnés à New York devant le magasin depuis l'annonce, la conférence, et puis il y en a qui sont payés également. Oui, c'est toujours le cas. Tu veux que je te donne mon cas, là? Oui, c'est quoi, t'as regardé la radio, mais on t'a TV aussi. Ouais. Donc, le code est le... C'est ça! Puis, il y a aussi le nouveau OS, c'est clair, qui va être, va être annoncé. On pourra même avoir les changements. Puis, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'introduction aussi, de plus en plus, on va le voir, du nouveau langage de programmation Swift. J'ai taponné avec, super intéressant. C'est vraiment un langage de programmation qui est abordable, dans le sens où, tu sais, t'es pas dans le C++, t'es pas dans le... C-Sharp, je pense. Ouais, C-Sharp, C-Sharp, c'est pas si mal non plus, mais tu sais, il y a des affaires plus arides, là. T'es pas dans, on s'entend, là, c'est pas de l'assembleur, là, mais c'est quelque chose qui est fait, qui est abordable, donc que les gens peuvent se lancer facilement. Ça va plaire à beaucoup de développeurs. Ça. Il y a Bruno Blondin qui dit il va y avoir des téléphones de 10 pouces, les iPad et Mac avec iOS 8 et Yosemite vont devenir les téléphones. Oui. Téléphones de 10 pouces. Oui. 10 pouces, j'en doute. C'est pas le genre de mini-tablette. Ouais, c'est ça. C'est, peut-être une tablette avec un appareil téléphonique à l'intérieur, peut-être. Mm-hmm. Entre... Regarde de voir. Tu n'as rien qu'à mettre un téléphone dans un iPad mini. Ben, c'est ça que je te disais tantôt. C'est ça. C'est gros en tabarnouche. Là, il y a beaucoup d'applications de photos également qui sont natives sur les appareils. On pense à Samsung, LG, tout ça, des trucs incroyables où tu peux prendre des photos, 8 photos, 10 photos, 20 photos à la seconde. Pensez-vous qu'il y a... C'est malade, ça. Penses-tu que l'iPhone 6 va avoir ses... C'est clair. Tu sais, par exemple, déjà, avec la 5S, là, l'appareil photo, il est impressionnant. Là. Mm. Le fait de... Tu laisses ton doigt dessus puis il prend en rafale. Là. Wow, OK. Déjà, ça démontre... Ça veut dire que la communication entre l'appareil photo, le stockage, est tellement rapide qu'il est capable d'en stocker une quantité assez impressionnante. C'est là que ça se passe. Mm. Tu sais... Apple, je sais qu'il y avait eu des discussions avec Sony pour... Sony mm-hmm. pour leur nouveau senseur. Les senseurs qui sont parés avec le A7 et A7R, dans cette gamme-là, des senseurs qui sont hyper sensibles à la lumière. Donc, peut-être qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont négocié quelque chose avec Sony pour avoir des senseurs, des capteurs spéciaux. J'ai hâte de voir. Au niveau périphérique, y a-t-il des annonces qui vont se faire, des nouvelles patentes à part les... Dre. Dre, les beats, c'est clair. C'est clair, t'en profites. Mm-hmm. Penses-tu qu'il va venir avec? Non, je pense pas. Ben, il y a son bureau, hein, à Cupertino. Ouais. Non, mais tu sais, il pourrait avoir les petits écouteurs blancs. Ah, tu veux dire Beats? Les écouteurs blancs, tu sais. Peut-être. Tu sais, ça serait. Parce que Beats, en tant que tel, c'est pas des écouteurs, tu sais, malgré ce que les gens peuvent en penser. C'est pas de la grosse qualité. Ben, écoute, c'est quand même. Ben, je te dirais. Non, c'est pas de la qualité, ça, je peux te dire. Ça dépend de quel modèle. Il y en a qui sont mieux que d'autres, là, mais. L'entrée de gamme, c'est de l'entrée de gamme solide, là. Les gros, là, je les ai essayés moi-même, puis je vais te dire, j'étais vraiment déçu. Je suis allé pour des Sennheiser, finalement, je me suis retrouvé avec des Sennheiser, mais c'est pas parce que je voulais pas les avoir, ils sont super beaux. Je vais les essayer, j'aimerais ça que ça soit cool, mais écoute, man, non, ça tellement maudit dans les mids, c'est écœurant, là. Mais en tout cas, je pense pour dire que je pense quand même que ça serait probablement un upgrade aux petits écouteurs blancs qui viennent avec les téléphones. Clairement. Sérieux, Déjà, ils ont fait un effort, là, les derniers. Ils sont des ce qu'on appelle intra
Intra-oreille? Auriculaire. Ouais, intra-auriculaire, voilà. Puis c'est déjà mieux que ce que c'était, les anciens. C'était ridicule, tu te mettais ça dans les oreilles, ça faisait tellement mal. Mais oui, c'est comme un des endroits où est-ce qu'ils peuvent améliorer le produit, de toute évidence. Là. Il y en a déjà, d'ailleurs, des téléphones intelligents qui viennent avec des écouteurs mieux. Ouais. Tu sais, j'ai vu une publicité là-dessus, c'est super drôle, tu sais, c'est un nouveau, je pense, c'est un Samsung, je pense, mais tu sais, ils montrent les speakers sur le téléphone. Ouais. Tu sais, t'as deux speakers sur le nouveau Samsung qui peux mettre, tu sais, c'est vraiment stéréo, t'as vraiment un fil stéréo, tandis que, tu sais, le pauvre Mac qui est à côté, genre le pauvre iPhone à côté, puis tu sais, il dit, tu sais, I just have one and I'm sitting on it. T'sais, le speaker, il est en dessous. Ouais, il était parqué comme ça dans l'annonce. Puis c'était vraiment drôle parce que je me disais, c'est tellement vrai. Tu sais, je couchais dans mon lit là, avec ma blonde à côté. Évidemment, ma blonde était à côté de moi quand je couchais dans mon lit. Mais tu sais, on a tous les deux un iPad. Elle est pas tout le temps à côté. Ouais. Non, mais là, elle est à côté dans ce cas-là. Ouais. Puis tu sais, elle écoute son iPad. Mais son iPad, son speaker, il est dirigé vers moi. C'est toi qui entends tout, finalement. Moi, j'entends vraiment fort son stock. Puis je suis sûr que je l'entends plus fort qu'elle. Parce qu'il n'est pas dirigé vers l'écran, finalement. Combien de fois tu vois quelqu'un faire ça? C'est ce que je fais, moi. Faire ça avec sa main, une coupole pour essayer de faire... Rediriger le son vers toi. Beaucoup d'annonces, beaucoup d'anticipations, beaucoup de rêves pour plusieurs d'entre vous. Ces rêves deviendront peut-être réalité très prochainement. Moi, c'est clair que je l'ai. Ben, c'est ça, moi aussi. Ben, moi, j'étais avec un 4, fait que je vais t'avouer que ça va valoir la peine. Pas mal dû, surtout qu'iOS 8, on me dit qu'il ne fonctionnerait pas sur un 4. Oh. Je suis pas mal c'est triste. Temps de changer de parc informatique. Ils ne sont pas fous. Hein? Quand tu n'es plus capable de te servir du iOS, de toute façon, c'est super lent pour bien les affaires. Tu sais, des fois, quand je tape avec mon iPhone 4, là, je fais tac, 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 tac. Puis là, ça fait rien. Puis à un moment donné, ça fait. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est pas cool. Aujourd'hui, moi, je fais souvent des messages Insta Radio. C'est une petite application qui permet d'enregistrer des messages sur iPhone et les diffuser sur les médias sociaux. Les médias sociaux. Et quand tu as un truc comme Outerbox qui est hyper résistant au coup, là, tu sais, c'est malade, cette affaire-là. Si tu pitches ça partout, puis ceux qui me connaissent savent que j'en ai besoin, parce que tu es tout le temps en train d'échapper ça. Mais quand tu fais des messages, le micro est enseveli en dessous d'un quart de pouce de caoutchouc, fait que ça fait bonjour. Alors, les gens se demandaient pourquoi vous ne m'entendiez pas. J'avais pas réalisé ça jusqu'à ce que quelqu'un me le dise tantôt sur Twitter. Donc, bon, c'est bon, des bons cases, mais si ça vous tente de faire un dictaphone avec ça, il va falloir que vous parliez fort. Parce que ça vient comme... Cacher le microphone. Exactement. C'est un peu un mauvais design dans ce cas-là. C'est un mauvais design, mais on pense plus à la protection. À la protection du téléphone ou à l'eau et à tout ça. Ceux qui me connaissent savent ce que je veux dire. J'ai un de mes téléphones dans la fondation ici de la maison à tomber. Il fait flush. Aïe, hein, ouais. Dans le ciment. D'autre part, côté gadget, je sais que Denis, tu es un amateur de photos. Yes. D'ailleurs, ça vous tente de jeter un coup d'œil sur son site. Ça s'appelle Denis Girard Photographie, je ne me trompe pas. Oui, sur Facebook, Denis Girard Photographie, vous allez voir mes dernières photos. Il y a un kit qui vient de paraître qui s'appelle, laissez voir le nom, c'est un monopode. Ça sert à faire des égo-portraits ou encore ce qu'on appelle communément des selfies. Ouais. C'est la compagnie iStabilizer qui sort sur un monopode. Je ne sais pas, on est à l'envers, comme ça, ça va aller bien, l'autre côté. Et c'est un monopode qui peut atteindre jusqu'à combien de mètres, on dit 3 mètres? 500. 90 cm ou 3 pieds. Alors, c'est fait à 500 mètres. Non, mais tu dis, tu ris, mais ça va quand même assez loin. Ah ouais, quand même. Tiens, regarde ça. Tu sais, ça vient assez loin. Filmer un spectacle. Et ça s'adapte. Ah, c'est ça, filmer un spectacle, c'est cool. Ça. T'es dans la foule, man. T'es en bas sur le parterre avec ta tige. Avec ton sel, là, tu ne veux pas l'échapper non plus. Non, mais c'est un des points faibles de cette affaire-là, je trouve, c'est qu'il n'y a rien pour sécuriser. Ah oui, hein, c'est à juste. Part, regardez ça, c'est juste tenu par un petit clip en caoutchouc qui est un système de ressort. Tu vois, c'est quand même assez résistant. Mais donc, si tu l'accroches, là. Tu l'accroches dedans, accroche-le donc. Non, ça ne me tente pas de l'accrocher parce que je ne veux pas péter ma conscience. C'est en graphite, ça? C'est en aluminium de calibre de l'aviation, me dit-on. On s'entend qu'une police qui te voit avec ça va penser que tu as un bâton rétractable. Ouais, mais si tu mets ton iPod au bout, tu ne penses pas. Là, tu mais si tu aller au zoo, c'est le fun. Tu sais, regarde, tu peux prendre des photos comme ça. C'est-à-dire que tu prends. Tu peux te rentrer ça dans la cage, puis il n'y a pas de problème. Ouais, rentre ça dans la cage, tu peux te promener, tu peux l'angler comme tu veux. Ouais, en tout cas, les photos, le problème, c'est qu'il faut que tu appuies sur le bouton.
mettons. Oui, mais si tu le mets sur retardateur, ouais, c'est vrai. Tu sais ce qu'on fait, nous, les professionnels, Benoît. Donc, aller voir un show par-dessus la foule, c'est le fun. Tu mets le retardateur, tu lèves le bras, puis bang. Ça va assez loin, gars. Je peux aller dans ta chatte ici, gars. Salut, salut, salut. Sauf que si tu tires un peu dessus, tu peux me l'enlever. Et ça s'enlève quand même assez facilement, tu vois. Mais ça prendrait un système de rétention pour le téléphone qui puisse s'assurer que le téléphone ne tombe pas. Ben, juste une petite vis, là, tu sais, ça aurait été une petite vis en plastique. Regarde bien ça le... ici. Ça, c'est un petit morceau de caoutchouc qui s'enlève quand même assez facilement, voyez-vous. Ça, c'est ça qui retient, qui fait l'adhérence sur le téléphone. Et ma foi, ça, ils doivent en vendre beaucoup parce qu'elle doit se perdre assez facilement. c'est vrai. Si tu le mets de l'autre bord, ça ne retient pas ton téléphone? Non, si tu le mets dans l'autre sens, par en bas. Ben, je pense pas. Essayé? Non, pas comme ça. Ouais, mais genre, tu mets pas, tu peux pas mettre ça comme en avant de ton téléphone? Écoute, je sais pas ce que tu veux dire. Essaye là, tu vas voir. Ça marche également avec les appareils, les petits appareils des caméras normales. Tu peux le mettre dessus. L'avantage de la caméra normale, c'est qu'il y a la dragonne qu'on peut toujours twister autour de. Ça fait pas ce que je pensais. Ah, mais c'est ça. J'imagine que tu pourrais visser ça dans une caméra, ça se peut-tu? Ça? Non, bout de caoutchouc. C'est un bout de caoutchouc. Okay, c'est vraiment cheap. Mais quand même, je comprends le principe est intéressant pour ceux et celles qui veulent avoir quelque chose de léger à transporter. Quand tu vas au zoo, tu peux mettre n'importe quoi. C'est fait aussi pour les GoPro, mais GoPro en fait une également qui, elle, est vissée, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, on lève ça, on met la caméra dessus et hop, le tour est joué. GoPro a son propre écosystème qui est probablement plus solide. Ouais. Mais ça, c'est, écoute, ça fait un job. Il suffit juste de bien l'anglais et tu peux arriver donc à aller chercher des photos au zoo, dans les spectacles, faire des selfies avec ta douce, aller faire toutes sortes d'images que tu veux finalement. J'ai une petite Pentax aussi qui va sous l'eau. Je pense que ça pourrait être cool. Tu l'attaches sous l'eau. Tu nages avec. Ça ne te tente pas toujours de te sacrer dans la piscine pour aller faire une photo de ton chien qui vient de sauter dans l'eau. Non, c'est ça. Ça peut être ça peut être cool. Ça, j'avais mis un système, moi, pour de dragon pour pouvoir le tenir. Si jamais ta caméra vient pour tomber, au moins, elle reste attachée après ton truc et elle tombe pas dans la cage des ours polaires. Alors, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. C'est pas un mauvais produit. On va le tester davantage. On vient de le recevoir. Et ça s'appelle le Eye Stabilizer, le monopode, qui fait, pour les téléphones intelligents, nous dit-on ici, jusqu'à 7 cm de largeur. Donc, c'est ça. On est un petit peu limité au niveau de la capacité du truc. Mais ça fait un job léger. Le système d'ancrage est assez résistant. Des fois, un peu trop. On n'est pas capable de le fermer. Et voilà. Il s'agit de faire une petite torsion légère et ça rentre. Et c'est idéal pour faire voyager puis mettre ça dans son sac. Pour ceux et celles qui voyagent et veulent faire des photos de paysages, de selfies, etc., etc. Donc, le prix, je n'ai pas le prix, malheureusement. C'est une version d'essai que j'ai eue. Ça doit être... Peux-tu regarder? Ben non, c'est le Eye Stabilizer. Stabilizer. De la compagnie... c'est la compagnie qui s'appelle Eye Stabilizer. Ça, c'est le monopode de Eye Stabilizer. Exactement, c'est ça. Eye Stabilizer Monopod. Ça a l'air générique pas mal, comme... Ouais. Sur Facebook, ça vient de sortir, c'est un gars qui a inventé ça, il était tout content de nous présenter ça. Alors j'ai dit, je vais le présenter à la radio, à la télé, puis on va l'essayer, puis on donnera notre avis franche et honnête. Cette petite guidine de caoutchouc, là, je trouve ça un peu louche, comme dirait l'autre. Écoute, sur le site web, il ne semble pas avoir de quoi... Attends. Ah oui, je l'ai ici, c'est 34,95. Quand même. Ça ne ferait pas pour un Galaxy Note. Là, non, ça prend moins de 7 cm. C'est pour les iPhones, les appareils plus petits, là, les caméras, puis ces choses-là. Regarde, moi, j'ai un iPhone 4, là, puis j'arrive avec peut-être 4 mm de plus. Oui, c'est ça. Ils disent toute une série de téléphones intelligents, les GoPro. Ouais. Donc, si tu utilises Alors, jetez un coup d'œil là-dessus, les photographes amateurs. On passe à ton jeu, mon Ben? Yes! Parle-moi donc ça, mon Denis, le jeu de Ben, s'il te plaît. Et puis, Note, on n'a pas de musique. Fait que tu chantes de quoi en attendant? Non, c'est correct. Okay. Non, t'es sûr? J'aime mieux ça. Alors, on y va maintenant avec un petit jeu de hockey avec notre ami Ben. Ben oui, écoute, tu sais, comme NHL s'en vient, je me suis dit, pourquoi pas retourner aux sources, en tout cas pour moi, les sources du hockey. Jeu Ice Hockey, paru en 88 sur Nintendo.
ouais, hein, écoute, Nintendo Entertainment System. On est vraiment dans un jeu de hockey ultra simple, on s'entend, là. Il n'y a rien de très, très complexe là-dedans. Là. Donc, il y a deux équipes qui s'affrontent, deux équipes qui n'ont même pas le nombre de joueurs qui sont réellement sur une patinoire, généralement. Là. Donc, on est plus dans un calibre aussi olympique, de toute évidence, quand on regarde la patinoire. Sûrement, c'est stéroïdes dans ouais. la vitesse qu'ils vont. Oui, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est le gardien de but par rapport à la taille du but. Ah oui. Hein. Alors, c'est un gardien de but de hockey dans un but de soccer. Une porte de garage. Ouais, ça, c'est ridicule. Mais écoute, il y a quand même beaucoup de plaisir dans ce jeu-là. Moi, je me souviens d'avoir joué à ce jeu-là pendant de longues heures. Bon, les personnages, les joueurs, il y avait trois titres différents. Vous aviez un petit maigrelet qui allait très rapidement. Vous aviez un gros gras qui était plus lent, mais qui, mon Dieu, qui était solide et difficile à plaquer. Et vous aviez le joueur, disons, de taille moyenne, qui, lui, était un espèce de compromis entre les deux. Le jeu était sans, disons, sans stratégie, OK? L'objectif, là, c'est vraiment du pur plaisir. Ça fonctionne. Moi, je vous dis, là, ce genre de jeu-là... Tout fonctionne avec deux pitons. Ouais. Jeu de party idéal, honnêtement. Je l'ai vu dans des jeux, dans des parties rétro, par exemple. Les gens se garochent là-dessus, puis ils ont du fun. T'sais, ça fonctionne très bien. Les équipes qu'il y avait là-dedans, ben, on avait le Japon dans la version Famicom, mais dans la version... qui a été lancé pour PAL. Il y avait donc la Suède qui remplaçait le Japon. Donc, vous avez les États-Unis, la Suède, Tchécoslovaquie, le Canada, la Pologne et l'Union soviétique. On est encore dans l'ère de l'Union soviétique. La guerre froide. Donc, vous aviez des gros méchants russes rouges et les Américains. Les bons Tretiak, les gardiens. Ouais. Donc, ce jeu-là a été très bien reçu par les critiques. Et continue d'être très bien reçu dans les critiques. Nintendo Power le mettait dans ses 200 meilleurs jeux avis, et IGN l'a mis dans les 100 meilleurs jeux. C'est une bagarre là qui se passe. Ouais, c'est ça. Souvent il y a des bagarres, puis tout le monde se garoche dans la mêlée générale. Et puis. Une punition. Un petit bonhomme s'en va au bain. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est vraiment la musique. Hein. On se rappelle l'époque Nintendo. Ah ouais, écoute ça. Une sonnerie de téléphone. Hey, moi, ce que j'aime aussi, c'est le bruit du coup de patin. Donc, ceux que ça intéresse, est-ce qu'on peut y jouer encore? Il y a des ROM, mais vous ne l'avez pas entendu ici. Mm-hmm. Mais sinon, c'est le genre de jeu qui se trouve relativement facilement dans les compilations rétro, choses comme ça. Donc, vous pouvez le trouver relativement facilement. Faites des petites recherches, Google votre ami. Ah, merci beaucoup, Benoît. C'est toujours agréable de retrouver justement ces vieux jeux comme ça. D'ailleurs, je vous invite à ne pas manquer le podcast de notre ami Bruno Georget, qui s'appelle Rétro Nouveau. Oui. Il nous présente donc ce genre de titre de façon régulière. Oui, tout à fait. Hey, Denis, parle-moi un peu de toi, amateur de photos. Ben oui, écoute, tu veux que je te parle de photos, tu veux que je te parle de quoi exactement dans photo, parce qu'on peut parler longtemps de la photo, mais on peut parler de bien des affaires aussi. Tu me parles, premièrement, t'arrêtes ça, là. Puis, tu me fais part d'une de tes découvertes concernant... Ben, sur ça, c'est pas capable, hein? OK, j'ai fait sur stop. C'est beau, on est correct. Tu me fais part d'une de tes découvertes qui est une appli pour les téléphones, pour les iPhones, là, ouais. Qui est capable de faire le focus à un endroit particulier et aussi d'ajuster l'éclairage ou encore la luminosité ailleurs. Tu fais deux points de focus, finalement. Oui, c'est exactement. Ça? C'est que tu peux... Hein, ben, tu fais pas deux points de focus. Ah non? Et ce que c'est exactement... Je vais te le dire, c'est que... Tu sais, normalement, quand ton appareil photo prend une photo, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'appareil va décider pour toi du point de focus, et de comment il va évaluer l'exposition. L'exposition, si on veut, là, c'est un peu... La lumière qui rentre, là. Exactement. Ouais. C'est la lumière qui va rentrer dans l'appareil. Ouais. Puis lui, il va évaluer ça en regardant la scène en général. Dans un téléphone, normalement, c'est pas très compliqué. Là, il regarde qu'est-ce qui se passe, puis il dit, OK, là, j'ai tant de quantité de lumière, faut que j'ajuste mon éclairage en fonction de cette quantité de lumière globale-là. Mm. Puis après ça, tu prends la photo, puis ça donne ça. C'est pas toujours qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, des fois, on aimerait ça voir, par exemple, quand t'as un sujet qui est dans l'ombre, puis en arrière, t'as un soleil super fort. Le contre-jour est trop fort, donc on voit pas les détails de la première personne. C'est ça. Fait que lui, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire ton appareil, tu penses, quand il va avoir 70% de ton image qui est du soleil super brillant, il va baisser. Hein? Ouais, c'est ça. Il va baisser la luminosité. Fait que ton sujet, lui, qui ton pauvre sujet qui est pas dans le soleil, il est en avant, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se retrouver dans l'ombre complètement. C'est ça, on le verra pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec une application qui est vraiment, vraiment cool, que je trouve qui est la plus complète de toutes les applications d'iPhone, elle est disponible aussi sur iPad, puis elle est disponible aussi sur Android. Non, elle n'est pas disponible sur Android, excuse-moi. Mm. Sur iPhone, elle coûte juste 2$, vraiment. C'est un 2$ super c'est quoi, bien investi, c'est Camera Plus. OK. Camera c'est vraiment Plus. Bon, ça, ouais. C'est vraiment une bonne application. Sérieusement, qu'est-ce qu'on parlait, là, l'exposition? Mm-hmm. Ça permet aussi de... En fait, ça permet de choisir, l'exposition, l'endroit où on va exposer. Comme par exemple, l'exemple que je te donnais tantôt, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait choisi, par exemple, notre sujet. On aurait choisi, de faire en sorte que le sujet... C'est lui sur lequel on va choisir notre quantité de lumière qu'on veut qu'il soit. En fait, il faudrait que je te le montre. En fait, il faut que tu mettes les deux doigts. Tu vas travailler en envers. Alors, tu vas te mettre à l'écran, là, tu vas essayer de nous faire une démonstration qui n'est pas évidente. Là. OK, on clique ici. Donc, alors voilà, c'est le téléphone en question, l'application. Si tu veux prendre, je ne sais pas, tu veux prendre la bouteille de bière. Là, qu'est-ce qu'on veut faire pour activer ce feature-là? Activer le focus manuel, puis activer... l'exposition manuelle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait deux doigts comme j'ai fait là. Si je le refais, là, regarde, on part de ça qui est le focus puis l'exposition automatique. Okay. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer avec deux doigts. Là, il nous sépare ça. Là, je pourrais dire, OK, tu vas te servir de ça ici pour faire mon exposition puis tu vas focusser sur ça ici. OK, donc tu viens de calibrer ton image à ton goût. Exactement. Mm. Tu sais, des fois, quand on va vouloir prendre, par exemple, un sujet qui est comme justement un être humain qui va se trouver à gauche de la photo, ouais. On aimerait ça que le focus soit nécessairement sur les yeux, par exemple, de l'être humain, et non sur l'ensemble ou non sur quelque chose comme la fontaine qui se trouve à droite. Comme par exemple, si tu voulais prendre juste l'ours là, de la boréale, là, ou c'est un ours, j'espère que oui. Oui. Alors, là, je focuserais là-dessus, puis là, évidemment, quand tu prends ta photo, ben là, t'as exactement ce que tu voulais avoir comme... Okay. Donc, à part ces deux, ce feature-là, qu'est-ce qu'il y a comme bebel là-dessus? Bon, écoute, ce que tu peux avoir aussi, qui est super intéressant, à mon avis, oups, excuse-moi, la misère, là, parce que je suis un petit peu étiré, c'est les modes de déclenchement. Les modes de déclenchement sont pas mal cool. Tu as un mode qui s'appelle Stabilizer, en fait, qui sert à stabiliser l'appareil. En fait. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va attendre de prendre la photo. Hey, la misère à cause du micro. Approche le micro vers l'appareil, voilà. Bon, c'est ça, OK. Ouais. Bon, tu vois, là, l'appareil, là, il prend pas la photo parce que le LED en bas rouge, là, il est rouge, puis il attend que je me stabilise. Donc, quand tu arrêtes de bouger, il te déclenche, puis il dit, paf, je peux prendre la photo. T'as un petit son comme ça, en plus? Oui. Ça te dit, le son... Bon, là, tu vois, là, c'est parce que je suis tellement mal placé que j'ai de la misère à pas bouger. Là. Donc, tu t'entends que le son arrête de se faire entendre et ça déclenche, c'est ça? Exactement. Tu peux avoir aussi un choix de timer, ou si on veut des retardateurs, là, on peut décider de retarder la prise de la photo de 5 justement secondes. Pour le mettre sur un trépied pour le stabiliser. Comme par exemple ce que tu disais tantôt avec ton appareil, là, que tu veux monter ça dans les airs, tu peux faire ça avec ça, c'est super cool aussi. Ce qu'on peut faire, je ne l'ai pas activé, mais tu peux avoir un niveau. Tu peux avoir un niveau qui nous permet aussi, excuse-moi, je vais terminer avec ici dans les modes de déclenchement, je suis un petit peu décousu, là, excusez. Non, c'est pas grave. Mais regarde, il y a un mode burst aussi. Le mode burst, c'est un mode rafale finalement. Okay. Le mode rafale, il va nous permettre de prendre, en tenant le bouton pesé, une série de photos. Par exemple, c'est au coût de la qualité. Là. Ouais. C'est sûr qu'évidemment, là, il va faire en sorte que tes photos vont être de moins de qualité parce qu'il ne sera pas capable de rentrer justement l'information assez rapidement avec full res comme d'habitude. Vaut mieux une photo avec un peu moins de résolution, mais de capturer le moment que d'avoir une bonne caméra sans d'avoir manqué le moment. Ouais, puis surtout avoir la caméra à la maison, hein, c'est souvent l'affaire. Ça. Donc ça s'appelle comment, Caméra Plus? C'est Caméra Plus. Écoute, il y a une petite affaire que je veux te parler aussi juste avant. Tu sais, quand on prend la photo, là, des fois, là, je veux dire, tu es mal placé justement avec ça pour justement aller peser sur le petit bouton là, qui se retrouve ici là, pour aller prendre ta photo. Mais heureusement, avec cette application-là, tu peux tout simplement peser sur le bouton de volume pour prendre ta photo. Okay. Ça va prendre la photo aussi. Donc, ça simule le bouton de l'appareil, d'un appareil. Ça simule le bouton d'un appareil. Puis, tu es pas mal plus stable parce que tu es déjà dans ta position de prise de l'appareil. Okay. Fait que c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve, que d'aller peser sur le bouton, que nécessairement, ce que tu vas faire quand tu vas peser sur le bouton, tu vas changer ton angle, tu vas faire vibrer l'appareil, il va shaker, puis ça va être flou. Ouais. Intéressant. Donc, ça s'appelle Caméra Plus. Merci, Danny, de cette découverte. C'est quoi, 2,99, tu disais? Non, 1,99. 2 piastres disponibles. Ça vaut la peine, honnêtement. Ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un tripeux de photos, là, et puis vous n'avez pas toujours votre gros appareil sous la main, il y a de plus en plus de gens qui laissent les gros appareils à la maison puis qui s'amusent quand même avec des petits téléphones pour les affaires de voyage, les petits voyages au zoo. Là, ça peut être intéressant. Sur iPad, par exemple, c'est 5$. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi c'était 5$. Je n'ai pas vu c'est quoi finalement la différence entre la version iPad et la version iPhone. Mais
5 piastres. Si tu veux, c'est pas fait du monde. Puis, oh, bon, attends un petit peu. Il y a quelque chose. On a un problème avec. Bon, ça se peut que ça. Écoute, la caméra, il ne touchera pas. Est-ce que vous nous voyez toujours à la maison? Je pense que oui. On vient de m'avertir que c'est une nouvelle version d'Xsplit. Là. Ah, ouais, fait que tu as des petits bugs. Ça vient. Bon, there's a bug. Programming bug. Il y a un bug de. Attends un petit peu. Un bug de programmation, dit-on. Là, je ne toucherai plus à rien. Je ne changerai plus les caméras. Je pense qu'on est encore en train de diffuser. Vous pouvez me le confirmer probablement sur les médias sociaux. J'apprécierais énormément. Je touche plus à rien. J'attends des nouvelles sur Twitter, si ouais. Vous nous voyez encore. Oui, on dit que oui, on nous voit. Okay. Là, donc, moi, j'ai un message d'erreur qui prend la moitié du téléviseur. On touche plus à rien. D'autre part, messieurs... Moi, je voulais juste dire aux gens, si vous connaissez Honest Trailer, je ne sais pas si vous connaissez Honest Trailer, ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est il y a quelqu'un qui fait des... je cherche le terme en français. Des bandes annonces. Des fausses bandes annonces. Il reprend soit des vieux films ou des jeux. Ouais. Puis il fait des bandes annonces avec ça. Le gars, il a une voix vraiment incroyable. Là. Donc, il a une voix d'annonceur. Mm-hmm. Et puis, c'est tout le temps drôle. Et puis là, il en a fait une avec Team Fortress 2 qui vaut vraiment la peine d'aller voir. Là. C'est vraiment comique. Là. Donc, vous allez voir ça. D'autre part, dans les patentes, les bebelles, j'ai finalement reçu le FLIR One. C'est un adaptateur qui sert à transformer votre téléphone iPhone en caméra infrarouge. Ah oui, tu m'en parlais de ça. Là. Et je l'ai essayé. Malheureusement, je ne peux pas l'installer. Les piles sont à plat. Je n'ai pas eu le temps de les recharger aujourd'hui. Mais ma foi, c'est surprenant. Ah oui? Ça fonctionne très, très bien. J'ai quelques clichés que j'ai pris. Pourquoi se servir de ça? Si vous voulez voir si votre maison est bien isolée, par exemple, l'hiver, vous vous installez, prenez un cliché et vous allez voir par où sort la chaleur. Ça fonctionne avec un code de couleur. Le bleu est froid et plus c'est orangé, plus c'est chaud. Donc, si vous voyez beaucoup d'orangés sortir autour de vos fenêtres, c'est que votre maison est mal isolée. Vous avez eu un dégât d'eau. On connaît ça, un dégât d'eau, nous autres. Ouais. Tu veux savoir c'est quoi l'intensité, jusqu'où l'eau s'est répandue dans ta résidence. Tu peux prendre une photo à travers le plancher et tu vas voir où l'eau s'est rendue. C'est quand même assez intéressant. il y en a un sur le chat. Ergo, il dit quand tu cherches ton chat dans le jardin. Tu ris, mais ça marche. Ah ouais, ça marche vraiment. Regardez bien ça. Ça, c'est une tasse. Ça, c'est un micro-ondes. Attends un petit peu. Une tasse qui sort du micro-ondes. C'est. Puis quand tu prends une vidéo, parce que tu peux faire du vidéo, tu vois vraiment l'espèce de mouvement des molécules d'eau. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, c'est une tasse. Là, c'est difficile un peu. Ouais. Ça, c'est en noir et blanc, là, le blanc étant le très, très, très chaud. Mmh. La même photo, on peut jouer avec tes différents filtres. Là, tu vois où est-ce que la majorité du chaud se trouve dans la tasse, en plein centre. Ouais, ouais. Et là, si on veut y aller avec... en couleur, on peut y aller comme ça ici. Hey, c'est malade, non? Ouais. C'est cool, pareil. Ouais, mais c'est puis... comment? Est-ce que ça ajoute une couche sur la caméra? Oui, ou... ça, c'est mon fils. OK, oui, il y a comme une caméra supplémentaire. Qui sortait... Fait que finalement, c'est juste d'exploiter... Okay. Il exploite juste le processeur et l'écran. La caméra est remplacée, finalement. C'est ce en que je comprends. La caméra vient se greffer sur... Il y a une deuxième caméra qui vient se greffer sur la coquille du téléphone existant. Ouvrez-les donc, on va le montrer. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, regarde. Passe-moi les choses. Voilà. Merci. Passe-moi donc le truc aussi. Ça ici, c'est... vous prenez cette partie-là. Vous venez la greffer sur glisser votre téléphone dedans. Là, le mien est dans un outer box, fait que normalement, il n'y a pas ça. Le téléphone tout nu, vous le mettez là-dedans. Mm-hmm. Une fois que vous avez mis ça, vous prenez votre truc et vous l'insérez dans l'appareil. Et là, il y a une espèce de prise ici à l'intérieur de l'iPhone et ça se greffe là-dessus. Et là, lorsqu'on regarde comme il faut derrière, c'est là que se trouve la caméra infrarouge. Et ma foi, c'est assez surprenant. On peut même lire les températures avec ça à travers les murs. Et t'as un tuyau de bloqué. Ah ouais, ben ouais. Tu fais couler de l'eau chaude dans ton tuyau. Et là, tu suis ton tuyau dans ta maison. Et puis là, tu te rends compte que, hop, à partir d'un certain point... C'est froid. C'est froid. C'est là qu'est le blocage. Mm. Puis tu vois la longueur du tuyau, où est-ce que ça bloque. Là. Ça, c'est intéressant. Tu vois la quantité de gras ou de cochonnerie qui bloque ton tuyau parce que c'est plus ou moins long, tu sais, selon les dégâts. Est-ce qu'il y a sa propre pile? S'il y a une propre pile... Okay.
qui arrive avec son connecteur. Fait qu'au moins, ouais, ça ne pompe pas tout ton jus. Non, pas du tout. C'est ça qui est le fun. Je m'en suis tellement servi. C'est fou. Je cherchais mes tuyaux dans la cour. J'ai des tuyaux qui passent pour l'eau, là, pour irriguer le terrain. Okay. Puis je soupçonnais un des tuyaux d'être brisé. Alors, je suis allé faire un tour. Effectivement, j'ai trouvé l'endroit. Okay. J'ai fait couler l'eau et puis de façon souterraine, il y a une espèce de plaque, une flaque d'eau qui s'est ramassée. Et là, on a pu voir vraiment le bleu sous le gazon. Malade. On s'est dit, c'est là que ça coule. Oui. Donc, ça évite de faire des trous un peu partout puis de jouer au truc. Le seul hic de ça, c'est quand même assez cher, c'est 350 $ US. Oui, oui, oui. Ouais, hein? Mais ça peut être intéressant pour les gens qui sont qui travaillent en construction, qui doivent. Les plombiers, ils en ont déjà, tu sais, mais des trucs qui sont normalement plus cher que ça. La compagnie FLIR ONE fait une gamme de produits comme ceux-là pour différentes applications, même des applications militaires. Les pompiers s'en servent également, mais des versions non pas pour le simple des citoyens, mais de façon professionnelle, ouais. Machines plus puissantes. Mais c'est intéressant pour ceux et celles qui travaillent, qui font des rénovations, là, qui ont des problèmes avec de l'eau ou encore... Tu sais, c'est plate, ça, ce prix-là, parce que, tu sais, moi, quand j'ai, par exemple, mon niveau électronique, là, avec mon petit laser, là, ouais. Tu sais, j'ai pogné ça, là, écoute, à quincaillerie, ça m'a pas coûté super cher, mais c'est tellement pratique, puis ça rentre exactement dans la même catégorie pour moi. C'est quand je veux planter un clou, là, j'aime bien ça avoir mon petit laser. Là, si j'ai quelque chose de bloqué dans mon évier, j'aimerais ça pouvoir voir c'est où, j'aimerais ça, comme tu disais ton exemple là, de tuyauterie. Ta boîte de électrique avec tes fusibles, tout ça, là, quand il y en a un qui est sur le point de brûler, absolument, il chauffe un peu plus. Tu passes ça devant ta boîte électrique et là, tu vois, t'en vois un qui est orange foncé, tu sais que lui, il va sauter. Ou quand il y touche, normalement, t'es pas toujours rendu dans ta boîte à fuse, tu sais, pour voir que ça a l'air, mais quand tu regardes ça, tu dis, ah, lui, il est chaud. Puis t'as une lecture t'as un thermomètre inclus qui est visuel. Ouais. Tu mets ton petit X, si tu veux que ça regarde, puis bang. Mais tu sais, je dis pas que c'est cher. C'est trop cher. Non. Ça le vaut probablement pour quelqu'un qui s'en sert beaucoup, là, peut-être. Ben oui, mais c'est ça. Pour monsieur tout le monde, écoute, personne ne va acheter ça. Non, ils visent un marché, une niche qui... Ah ouais, c'est clair. C'est juste disponible aux États-Unis, hein, c'est ça? C'est disponible aux États-Unis pour le moment. Okay. Ce qui est intéressant aussi, c'est... au niveau énergétique, ça, c'est le fun. Tu as un foyer quelque part dans la maison. Ouais. Tu veux savoir si ta cheminée... C'est parce que la lecture se fait à travers le mur. Quand la chaleur irradie, de juste de prendre une... Je sais pas s'il me reste assez de jus. Je ne penserais pas. Prendre des cartes, une carte d'affaires, tu la tiens pendant 3-4 secondes. Tu enlèves ton doigt. Puis tu vois, tu mets tes pieds sur le plancher, puis tu vas voir les traces de pas. C'est quand même malade. Hein? Non. La facture thermique reste là pendant un certain temps. C'est intéressant. 20h56, les boys. D'autres choses à rajouter, messieurs? Tu avais une application aussi pour faire la composition de photos, là, mais ça, il y en a tellement sur Internet. Il y en a plein, mais écoute, moi, il y en a une que j'aime bien, gros. Je vais t'avouer, là, c'en est une que je trouve vraiment cool. Puis aussi, tu sais, Caméra Photosphere aussi, j'aurais aimé ça te parler. Mais l'essayer, celui-là, il est cool. L'application dont tu parles, là, qui peut faire de la composition de photos, ça s'appelle PicFrame. C'est super facile d'utilisation. C'est simple. Mais tu sais, combien de fois tu as été, par exemple, dans le Sud en vacances, puis là, tu t'es retrouvé avec 27 photos, genre, qui ont le même thème, genre, de toi sur la plage. On voit juste tes pieds, après ça, on voit juste ta blonde, on voit juste tes filles. Fait que tu es capable de monter, faire du montage, un peu comme un album. C'est ça que j'aime faire avec ça, justement. J'aime ça me faire un montage, puis me raconter une histoire à l'intérieur d'une même image. Mm-hmm. C'est ça que je trouve cool avec cette application-là. C'est que tu peux faire ça, c'est simple, c'est facile. C'est simple et facile, mais je sais pas si c'est redondant. C'est simple et facile. c'est très facile, finalement. Mais écoute, j'adore ça. J'ai du fun avec ça. En plus, quand tu es dans le sud, t'as pas de Wi-Fi souvent. T'as rien que ça à faire, tu sais. Mais même quand prépare t'es tes sud, photos. Là, ça s'appelle comment, t'en as fait? Ça s'appelle PicFrame. En un seul mot. PicFrame. FRAME. Gratuit ou une pièce? C'est une pièce. Écoute, une pièce, là. Ça vaut la peine. C'est super, là. Si vous êtes patient, ça va sûrement apparaître sur App of the Day ou un truc comme ça, éventuellement. Ouais, probablement, mais c'est une pièce. Non, c'est rien, une pièce. Appelez-moi, je vais vous la payer. attends, c'est pas vrai. Il y a Eric Plamondon qui veut savoir. Ça va coûter 20 000 piastres, ce show-là. Il y a Eric Plamondon qui veut savoir pourquoi. Pourquoi on ne voit pas le live sur Twitch sur PS4? Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent via PS4? Ferez-vous un reportage sur les problèmes des nouvelles consoles Next Gen sur la surchauffe et le bruit?
Moi, j'ai pas de problème de mon côté. Moi, j'ai, je vous avoue avoir eu une légère crainte quand Fiston a fermé les portes du meuble et avait mis ses bonhommes tout autour de la console parce qu'il jouait comme si c'était un bloc appartement, cette affaire-là. Là. OK, ouais. Et là, la Xbox était allumée, la One. Et à un moment donné, j'ai entendu comme... J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai tué une Xbox 360? Non, c'est c'était la One. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'était la One qui avait besoin d'air. Ouais. Et, ah oui, ouais, OK. Oui, parce que les trous d'aération étaient obturés par, comment il s'appelle? Pas Obi-Wan, mais celui qui parle en envers dans Star Wars. C'est-tu bon homme avec des oreilles pointues? Yoda. Yoda. Yoda était comme sans prise d'air. Tu connais Yoda... pas Yoda? Là, je ne me souvenais plus. Yoda avait chaud. T'en faire, c'est l'âge. Quand tu viens t'éclairer. par rapport à ça, il faut comprendre. Tu sais, si vous achetez une console là, actuellement, là, une Xbox One, une PlayStation 4, c'est la version 1 encore. Hein. Mm-hmm. Il est peut-être tweaké un peu, là, mais on s'entend là, que ça se peut qu'il y ait des bris plus fréquents que genre l'année prochaine, mais qu'ils sortent les nouvelles versions. Ou, ça se peut. Fait que, c'est ça. Là. Ça se peut, ça arrive, puis il y a des mises à jour constantes, des micro-logiciels. C'est, mettons que quand vous achetez là, les versions récentes des consoles... Là, les premières versions, ouais. Moi, je suis plutôt tendance à prendre la garantie prolongée du fabricant. Là. Ben, parfait. Ça, tu dors tranquille. Alors voilà, on va essayer d'investiguer ça. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent via la PS4? C'est ce qu'on veut savoir ce soir. Voilà. Pas mal tout. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci beaucoup, Denis, d'être passé. Demain, on te revoit à l'émission Monsieur Net. Oh! Effectivement. Ouais. T'es-tu là, Ben, demain? Ah, moi, je suis là vendredi. Vendredi. Donc, j'espère Critique que... de Diablo. Ça, ça va être le fun. L'extension. J'ai hâte de voir ce que tu vas voir. Ce que t'en as pensé. Oui. Bon, mais sur ce, passez une excellente soirée, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Et ça tient le coup, cette nouvelle version d'Explit, mais par la peau des dents. Ouais. On a senti quelques cochards également ce soir. On va écrire au monsieur qui fait le logiciel. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la prochaine fois. Semaine prochaine, ne manquez pas ça. Samedi, on vous parle de probablement Destiny dans le Journal de Montréal et de Infamous First Light. Oh! J'ai trouvé ça intéressant quand même. Oh, on s'en reparle. Salut tout le monde. Passez une bonne semaine. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye. Bye.